I know you feel this movement right here. You just be vibing. Salut les filles, salut les garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul action. Allez, sans plus attendre, on commence. Et juste avant, je vous dis merci de tout mon cœur pour vos petits pouces, pour vos partages, pour vos messages qui sont vraiment mais trop choupinou, voilà. Et puis, ben, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Pim, pam, poum, c'est rapide, c'est gratos. Et pour moi, ça fera beaucoup, voilà. Allez, on commence, c'est parti. Alors ça, je n'ai pas l'habitude non plus de vous présenter ce genre de produit, voilà. Mais j'en avais vraiment besoin. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout simplement, c'est un miroir double face avec une face grossissante. Alors, la face grossissante, c'est x3. Donc, autant vous dire, c'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Et ce qui était pas mal aussi, c'est qu'il y a un petit compartiment en bas. Voilà, donc moi, je trouve ça très pratique pour se maquiller. Je vais vous le sortir. Il y avait différentes couleurs. Attendez que je vous montre. Ben voilà, là, ils expliquent bien. Il y a comme ça. Donc, un espèce de bleu-gris, c'est ce que j'ai pris d'ailleurs. Voilà, oui, c'est ce que j'ai pris. Le bleu-gris, blanc et gris, voilà. Alors, attendez, je vais vous le sortir. Mais j'avais oublié de couper, vous savez, vous savez bien qu'Action met toujours, toujours des petits enfin, pas d'autocollants, n'importe quoi, rien net là, n'importe quoi. Toujours des petits plastiques parce que, ben oui, il y a beaucoup de vols à Action. Alors, comment ça se présente? Hop, ça, c'est le petit plateau. Oh, ben franchement, il est joli, hein. Franchement, moi, j'aime bien. J'aime bien, bon, c'est du, ouais, c'est une espèce de mélaminé plastique, hein, voilà, clairement, ne vous attendez pas à la très grande qualité au niveau du plateau. Mais bon, le prix, je vous le balance, 2,99€ pour ce miroir double face avec compartiment en bas. Ça, c'est sympa. Alors, attendez, je suis en train de tout vous sortir, le miroir, le machin, le truc. Alors, ça, c'est joli, vous voyez, c'est en bois. Hop, de toute façon, bon, voilà, on l'a bien vu, là, comment ça se présente. La marque, c'est donc Eleganza, Eleganza, voilà, je vous le remontre à la caméra. Donc, bah écoutez, ça ne doit pas être bien compliqué, je ne vais pas vous le faire en direct. On imagine la chose, je reprends, voilà, avec le petit miroir, tac, tac, tic, tac, tac, touc. Et voilà, vous l'avez vu, ça c'est sympa, 2,99€ pour ce joli petit miroir. Alors attendez, il faut que je le repose, que je ne casse pas tout, car vous savez que je suis quand même assez maladroite de façon générale. Alors ensuite, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, bientôt j'ai un petit nouvel arrivant, c'est mon futur petit chien qui va s'appeler Nougat, mais oui, qui va être trop choupinou. Bon, je vais vous mettre une petite photo quand même au montage, je pense que ce sera sympa. Donc pour mémoire, enfin en tout cas pour ceux qui viennent qui me découvrent, qui ne connaissent pas encore ma chaîne, j'ai déjà un chien braque de Weimar, Senso. Hop, je vous mets la petite photo. Et bientôt, j'ai un nouvel arrivant. Hop, je vous mets la petite photo, Nougat, qui lui n'est pas un chien de race, c'est un croisé entre bichon et Shih Tzu. Oui, désolé, je sais, Shih Tzu, c'est pas très joli. En tout cas, il va être blanc et noir, trop choupinou, je vous montre les photos. Voilà, il nous tarde de l'accueillir dans notre famille. Et du coup, je commence à acheter plein de petites choses. Et là, hop, oui, c'est pas méga glamour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des alaises d'entraînement. Eh ben, vous savez, pour les petits pipis, voire les petits caca. Mais enfin, j'espère qu'il va vite comprendre le truc. Moi, avec mon braque de Weimar, ça avait été facile, simple. Franchement, on n'avait pas eu de pipi beaucoup dans la maison. Il avait bien compris qu'il fallait aller dehors. Mais voilà, ça peut servir d'en avoir. Elles ne sont pas chères du tout. Il y a différentes tailles. Moi, j'ai pris les plus grandes qui sont en XXL size, c'est-à-dire 60 par 90 cm. Il y en a 5 pour le tout petit prix de 1,49€. Donc là, c'est donné, les amis. C'est super. Voili, voilou. Ensuite. Ah! Pour les enfants. Dadadi, dadadi, dadadou, dadada. Alors, ce n'est pas un livre sur le thème de la résilience, parce que à chaque fois, je vais au rayon des livres enfants et je crois qu'apparemment, j'ai l'impression d'avoir toute la collection. En tout cas, j'en ai pas trouvé des nouveaux hein, sur les livres de la résilience. Mais il y avait ce petit livre-là, tout mignon, qui s'appelle « La course de relais », voilà, par Virginie Grimaldi et Coralie Bruchy, donc à Hachette Jeunesse, voilà. Écoutez, j'ai trouvé que l'histoire, parce que je l'ai feuilleté un petit peu dans le magasin, donc « La course de relais »,
J'ai trouvé, pardon, je sais pas si c'est très joli de se mouiller le doigt comme ça pour faire tourner les pages, mais j'ai trouvé, il sent bon, j'adore l'odeur du papier. J'ai trouvé, écoutez, que les illustrations sont jolies, qu'il était de bonne qualité, la petite histoire est très mignonnette. Et vous savez que j'adore passer des petits moments avec mes petites chéries d'amour, Margot et Agathe, leur lire des petits livres. Je trouve que c'est un bon moment, le moment de la lecture avec les enfants, parce que ça permet de les apaiser, qu'ils se recentrent, qu'ils se calment. Et puis, c'est un petit moment d'amour avec leur maman, voilà, tout simplement. Alors, ce petit livre, 1,29 €, il était en promo. De toute façon, les amis, hein, s'il n'est plus en promo, il ne doit pas coûter bien cher, parce que dans tous les cas, à Action, les petits livres enfants, vous ferez des super trouvailles à des tout petits prix. Voilà, donc que vous soyez parents, grands-parents ou que vous cherchiez à faire un petit cadeau à offrir à des amis à vous qui ont des enfants, ben voilà, un petit livre, ça fait toujours plaisir. C'est un cadeau qui reste, c'est un cadeau intelligent. Et voilà, et en plus, ça fait passer des bons petits moments de douceur avec nos petits. Voilà. Alors ensuite, alors rien à voir, ça aussi, je n'ai pas du tout l'habitude de vous présenter des choses comme ça dans mes hauls, mais ben voilà, hein, ça varie, hein, au fur et à mesure des choses dont j'ai besoin pour ma maison, parce que je n'achète pas pour acheter, j'achète vraiment parce que ça me sert. Hop, allez, dadadi, dadadou, dadada. Oui, quand je fais ça, c'est que je suis heureuse. Hop, une petite paire de baskets en toile. Regardez comme elles sont super belles. Franchement, regardez, elles sont chouettes. On dirait, je trouve que ça imite très bien les Converse. Ah, sauf que les Converse, ça coûte une blinde. Moi, je ne suis pas une fille qui porte de la marque spécialement. Je m'en fiche complètement. Bien sûr, c'est agréable, hein, d'avoir de la marque. Dans ce cas-là, il faut acheter sur Vinted, j'ai envie de vous dire. Moi, par exemple, pour les jeans, là, je porte plus que des jeans Levi's parce que j'arrive à trouver le modèle précis que j'adore. Je peux vous le dire, hein, c'est moi, je porte le 710. 710 Super Skinny de chez Levi's. C'est vraiment des jeans que j'adore parce que c'est une taille normale, ni haute ni basse. Et Super Skinny, voilà, j'aime bien qu'ils soient bien moulants, bien serrés. Et le 710, c'est un super modèle. Eh ben, je fais mon petit aparté sur les jeans Levi's. Donc, le 710 machin, quand vous allez en boutique, eh ben, vous allez payer entre 120 et 150 € le jean Levi's. Alors que si vous allez sur Vinted, vous trouverez, ben, alors, il faut bien connaître sa taille et le modèle, mais moi, tous mes jeans 710 Super Skinny de Levi's, je les ai trouvés sur Vinted à des prix comme, écoutez bien, 8 €, 10 €, 12 €. Voilà, vous avez compris. C'est comme ça qu'Ariannette peut avoir des vrais jeans Levi's. Parce qu'avant Ariannette, elle achetait des jeans tout simples à 10 € chez Kiabi. Ma foi, ça m'allait très bien, mais c'est vrai qu'un jean Levi's, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà, donc je vous donne l'astuce, mais vous la connaissez sûrement, Vinted, mais c'est le top si vous aimez la marque. Voilà, moi les trois quarts du temps, j'achète des choses qui ne sont pas de marque. J'aurais pu penser à m'acheter des Converse sur Vinted d'ailleurs, j'y ai pas pensé. Bon, voilà, alors là, c'est pas des Converse, mais elles sont toutes chouettes. Écoutez bien le prix, 6,99 €. Moi j'adore l'été, je trouve ça sympa. Alors l'été, quand il va faire très chaud, je vais mettre des petits nu-pieds comme tout le monde. Mais là, on est vraiment dans l'entre-deux. Il commence à y avoir du soleil. Regardez, j'ai un beau petit rayon derrière moi, mais il fait très froid, par exemple, aujourd'hui avec beaucoup de vent. Eh bien là, on est content, on commence à sortir les petites baskets. Et moi, j'aime bien les petites baskets blanches, je trouve que ça fait du style. Voilà, un rien habillé avec ça, un petit jean, un petit t-shirt, hop, une petite veste légère, les petites baskets, et on est trop bien. Voilà, bon, je sais, hein, on est là pour faire du haul action, je ne suis pas là pour vous faire des conseils mode, surtout que ce n'est pas mon métier et je n'aurais pas la prétention d'être une conseillère mode. Voilà, donc je vous ai dit le prix, 6,99 €, ça vaut le coup. Les amis, n'hésitez pas, il y avait d'autres modèles. Vous verrez, il y a plein de modèles de chaussures chez Action, ça peut être vraiment intéressant. Il y avait des baskets à paillettes, mais j'en ai déjà. C'est pour ça que je ne les ai pas pris. Les baskets à paillettes, c'était pas mal. C'était dans les 11 € et quelques de mémoire. Voilà. Ensuite, ah, une nouveauté enfin chez Action, une nouveauté dans les parfums. Alors là, attention, rentrée en scène. Dadadi, dadadou, dadada. Hop là. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce flacon délirant là? Vous voyez, là, on le voit bien. Je vais vous le sortir de la boîte, bien évidemment. Alors, honnêtement, hein, je l'ai senti avec le testeur dans le Action. Moi, c'est vraiment pour le flacon que je l'ai pris. L'odeur, ah oui, ça sent vraiment la pêche.
Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas mon style de parfum. Il est très fruité. Ah, mais ils sont super bons pour l'été, c'est top et tout. Je le vois mieux pour des jeunes filles, des jeunes filles, oui, voilà. Moi, vous le savez, je vous l'ai déjà confié, j'aime les parfums qui envoient, quoi. Les parfums très femmes fatales. Coucou Agnès, je te fais une dédicace parce que tu m'as dit que toi aussi tu aimais ce genre de parfum. Voilà, moi j'aime les parfums de Dior, j'aime les parfums de Lancôme, j'aime les parfums de Chanel. Voilà, ça c'est plus mon trip à moi. Mais quand j'ai vu cette petite nouveauté, eh ben, bien évidemment, la Rianette, il lui fallait. Surtout que ça fait un moment, je suis frustrée, il n'y avait pas de nouveauté dans les parfums. Voilà, je l'ai pris direct. Alors, on va sortir la bête. La bête. Non, c'est pas la bête du Gévaudan, c'est la bête tout court. Alors, attendez, je vais la sortir. Le truc, il est bien. Comment vous dire? J'arrive pas à le faire sortir. Ah là, désolé mes chers abonnés pour le bruit absolument effroyable que ça vient de faire. Vraiment, je m'excuse auprès de vous. Alors attendez, la boîte, voilà. Alors regardez la chose. Regardez cette petite beauté. Non mais vraiment, c'est super joli. Vraiment, il n'y a pas à dire, c'est super joli. Alors ce parfum de Marc Dion, la marque c'est Marc Dion. Christinaz, c'est bien écrit là, hein. Christina apostrophe S. Voilà, je pense que vous le voyez. Donc il s'appelle Sweet Peach. Donc pêche, pas pomme, hein. Pêche douce, douce pêche. Il fait donc 90 millilitres. Il coûte le petit prix de 3,95 € et vraiment, regardez cette petite beauté. Non mais là, on dirait un petit cœur en plus, c'est trop chou. Non mais regardez, ça fait un petit cœur, c'est trop mignon. Puis, non mais vraiment, non mais là, je suis en extase parce que je le trouve vraiment trop, trop joli. J'espère que je vous le montre assez bien sous toutes ses coutures. Alors, il est grand, hein, voilà, hein, il est balèze, il est balèze. Voilà, et bon, ok, on sait, on ne peut pas sentir à travers. Donc, je vais me faire un petit histoire de dire, voilà, tac, tac, tac. Voilà, il sent très fort la pêche. Voilà, très, très fort la pêche. Ça fait penser, je sais pas, un sorbet à la glace à la pêche. Voilà, il sent très, très fort la pêche. Bon, vous l'avez compris, je radote, il sent la pêche. Le flacon est absolument sublime, rigolo, mignon. Il me le fallait. 3,95 €. J'ai craqué, bien évidemment, aussitôt dessus. Voilà, les amis. Ensuite, alors, rien à voir. Mais quand je vous dis rien à voir, dadadi, dadadou. Oh, ça méritait peut-être pas un dadadi, dadadou. Hop, qu'est-ce que c'est? Un petit ensemble, mes chers amis, de. J'essaye d'éviter mon anneau lumineux. Un petit. Oh là, voilà. Bon, attendez, je l'approche comme ça, vous le voyez bien une bonne fois pour toutes. Un petit ensemble de gel, de stylo gel. Voilà. Il y en a 14. Pardon, je m'étouffe avec ma salive. Vous savez que ça m'arrive, ça. Donc, je reprends. Il y a 14 mini stylos gel pour le tout petit prix. Je vous l'annonce de 1,29 €. Et franchement, je les ai trouvés, mais tellement beaux, tellement choupinous. Alors, attendez, comment ça s'ouvre encore cette affaire? Tellement beaux, tellement choupinous. Bah ouais, ils sont trop, trop, trop mignons. Hop, voilà. Arianette, à force, elle commence à comprendre comment ça marche chez Action. Regardez, ils sont vraiment beaux. Voilà, ils sont tout petits, tout choux. Oui, c'est tout petit, hein. Vous voyez bien, c'est tout petit. Mais voilà, il y a plein de couleurs. Je vais vous montrer comme ça, un peu à travers. Vraiment, ils sont très, très mignons. Moi, je sais que mes filles, elles adorent ce genre de petits cadeaux. Voilà, je ferai moitié-moitié pour chacune. Et c'était pour le petit craquage parce que je les trouvais choux. Et puis le prix, quoi, 1,29 €, 14 petits stylos comme ça. Mes filles, elles vont être trop heureuses. Ça fait un petit cadeau comme ça de temps en temps pour. Pour un peu les gâter. Bah oui, moi je suis une maman gâteuse. Ouais. Il y a une chanson, c'était Allô maman, bobo. Bah moi, ce serait Allô maman, gâteuse. Oui, je suis gâteuse. Oui, petite impro, hein, parce que je ne savais pas que j'allais dire ça. Mais voilà, encore une chanson qui vient de je ne sais où. Je crois que c'était Souchon. Je crois que c'était Alain Souchon. Dites-moi en commentaire si Allô maman, bobo, ça vous rappelle une chanson et si c'est bel et bien la chanson de Alain Souchon. Alors attendez, moi pendant ce temps, je m'excite parce que je veux vous présenter ça. Ça mérite le baladi-dadadou-dadada. Qu'est-ce que c'est? C'est la fameuse huile pailletée sur le corps. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Il y avait la couleur pearl, pearl comme perle, couleur blanc nacré. Et là, c'est rosé glow.
je vous montre bien à la caméra, rosé glow. Attendez, je recommence. Rosé glow, on est d'accord. Voilà, là on le voit sous toutes ses coutures. Bon, comme on l'a dit l'autre fois, je ne vois pas la marque. Il n'y a pas la marque. C'est vegan, comme vous pouvez le constater, mes chers amis. Et j'essaye de vous l'ouvrir parce que je vais vous le tester sur mon doigt, tout simplement. Si j'arrive à l'ouvrir, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Mais c'est une vraie galère, ça, à chaque fois. Bon, attendez, je vais détruire. Je vais détruire Ariane la destructrice. Ouais, voilà. Allez, je m'excite toute seule, là. Allez, je découpe. Je découpe et je galère. Là, j'ai des petits moments de solitude, mes amis, dans ces moments-là où ça ne veut pas... voilà. Ah, enfin! Enfin, voici la bête! Voici la bête! Oh, oh là là, mais magnifique! Magnificos, magnificas, magnificis! Wow, bon, bref, je m'emballe un peu. Alors, sur le doigt, ça donne quoi? Ah oui, il faut pomper, pomper, pomper. Voilà. Eh ben, dis donc, c'est pareil, hein, là, il a fallu longtemps. Alors, hop, regardez, j'en ai mis un peu sur le doigt. Ce coup-ci, j'ai compris, il faut en mettre moins que l'autre fois. Regardez, magnifique. Hein. Ça, pour sublimer, franchement les amis, pour sublimer votre corps, que ce soit toute l'année, avant d'aller en soirée, pam, sur les épaules, pam, au petit décolleté, voilà. Et l'été, mais magnifique, quoi. Vous pouvez même vous amuser à en mettre sur les tibias, sur les jambes, pour faire la belle, quoi. Si vous mettez des belles petites robes l'été. Mais ça, c'est une valeur sûre, les amis. Ça y était déjà l'année dernière, j'en avais déjà acheté. C'est une bombasse atomique, c'est une pépitas en mi corazón. Bah oui, on fait la petite chanson. Pépitas mi corazón, pépitas, pépitas, pépitas mi corazón. Moi, il me manque les petites maracas là. Tcha 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 tcha. Oui, c'est mon petit mouchoir parce que j'ai essuyé mon doigt, mes chers amis. Voilà. Alors, donc, ça on l'a dit ou on l'a pas dit, je ne sais pas où j'en suis, mais j'y reviens. Reviens sur Terre Ariane. C'est donc le gel pailleté corps rosé glow à 2,49 €. À un moment, il y a eu des promos. Il était à 1,99 €. Je dis ça, je dis rien, mais je pense que... Moi, j'ai loupé la promo, en tout cas, parce que je l'ai payé 2,49 €, les amis. Mais ça, c'est une pépite. Si vous le voyez, foncez, prenez-le. C'est très vite dévalisé parce que c'est... C'est superbe, c'est superbe. Voilà, ah oui, je suis à fond là. On y va, la suite. Ah, eh bien, ensuite, l'été arrive, les amis. Eh oui, les rayons de soleil. Et bientôt, il va falloir protéger notre peau et protéger nos lèvres. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Eh bien, tout simplement, un baume à lèvres de la marque Zenova. Protection 30. Et déjà, je trouve que c'est pas beaucoup. Si j'avais trouvé de la 50, ça aurait été mieux. Combien il coûte? Je vous le dis, 99 centimes, ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir ce genre de choses dans votre sac à main ou dans votre sacoche, messieurs, puisque je sais, messieurs, que vous êtes quand même nombreux aussi à me regarder. Et d'ailleurs, je vous remercie, je suis très étonnée d'avoir autant d'abonnés hommes. En tout cas, merci et bienvenue et c'est top. Voilà, alors je vois qu'il y a une mouche affreuse là sur... Sur mon anneau lumineux, je tiens par avance à m'excuser, mes chers abonnés, quand je filme des vidéos. Quelquefois, on voit des grosses mouches là qui passent autour de moi. Elles sont attirées par l'anneau lumineux. Or, vous savez, je vis à la campagne. Qui dit campagne? Ah ben voilà, voilà, elles volent. Qui dit campagne dit grosses mouches vilaines, affreuses, qui voilà. C'est les inconvénients, c'est les joies de la campagne, j'ai envie de vous dire, les grosses mouches. Donc, je m'excuse quand vous voyez un bzzz qui passe comme ça, là, devant l'écran. J'ai vu des vidéos, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on voit une grosse mouche qui passe. Bon, voilà. Et bref, c'était la partie sur la vilaine mouche. Ça, je vous le conseille. Les amis, 99 centimes, c'est dit. Ensuite, bah, j'ai pris du lait solaire, bien évidemment. Alors, moi, j'essaye vraiment de me protéger le maximum possible. Voilà, ça n'empêche pas de bronzer. Vous pouvez vraiment, vraiment mettre des protections le plus hautes possible. Écran total, on bronze quand même. Bien sûr, dans ma jeunesse, j'ai fait la bêtise de mettre de la graisse à traire, de mettre, qu'est-ce que je mettais, du monoï pour être bien cramoisi. Ah, au secours, c'est comme ça que plus tard, on a la peau qui se fripe, qui se ride. C'est comme ça que malheureusement, on peut risquer d'avoir un cancer. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner en toute bienveillance, mais protégez-vous du soleil, vraiment. Évitez en effet les heures qui cognent trop. Croyez-moi, moi, ça fait un moment que maintenant,
Je descends à la plage, il est 4 heures l'après-midi et on bronze. Chaque année, je bronze et surtout, je mets du 50 minimum. Regardez donc ce que j'ai pris, ce que j'ai trouvé à Action. Donc, vous le voyez, c'est toujours la marque Zenova. Donc, c'est du 50 plus Kids. Kids Very Height, très grande protection. Il fait 200 millilitres. Donc, voilà, c'est pour bien protéger les enfants. Mais autant vous dire que ça va très bien pour ma peau aussi. Donc, je l'ai pris. Voilà, je l'ai pris. C'était pour dire que j'ai pas pris une crème solaire adulte et une crème solaire enfant. Je prends celle pour enfant qui ira très bien pour nous les adultes. Et donc ce lait solaire m'a coûté 6,79 € et vous savez que ça vaut très très cher. Quand on regarde à Leclerc ou ailleurs, on évite entre 12 et 15 € pour acheter une crème solaire. Donc là, c'est moitié prix, ça vaut le coup. 6,79 €. Voilà les amis. Et le rayon est très 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 vite dévalisé à Action. Donc voilà, pensez à vous en acheter. C'est maintenant qu'ils en sortent. Ils le sortent certes très à l'avance. On ne va pas aller à la plage tout de suite. Et encore, peut-être que tout le monde ne va pas à la plage. Mais en tout cas, s'exposer au soleil, que ce soit auprès d'un, au bord d'un lac, au bord d'une rivière, que sais-je, je ne sais pas ce que vous avez prévu. Malheureusement, tout le monde n'a pas les moyens de partir en vacances. Moi, pour ma part, je crois que c'est la dernière année, que l'année prochaine, je n'aurai vraiment pas les moyens de partir en vacances. Là, j'ai prévu, j'ai mis des sous de côté depuis un certain temps. Et on va aller en Espagne parce que je vous le dis, les amis. Regardez quand vous cherchez des locations en Espagne, mais c'est tellement moins cher qu'en France. Vraiment, vraiment, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Voilà. Allez, par contre, il faut faire juste un peu de route. C'est ça qui est casse-pied, c'est qu'il faut faire de la route. Ah oui, moi, je ne vais pas faire des heures de voiture. Et là, il n'y a pas le choix. Allez, ça c'est dit. Ensuite, alors là, j'allais dire nos copains, mais non, c'est pas nos copains, nos ennemis, les moustiques sont de retour. Alors moi, je vous le dis, je suis infestée dès que l'été arrive, parce que en face de ma maison, il y a une espèce de cours d'eau, et vous savez que les moustiques aiment l'eau. Et voilà, ça commence, j'en ai des gros déjà chez moi, mais c'est un truc de dingue. Donc on met des prises anti-moustiques, mais si on est dehors, on a intérêt à mettre ça sur le corps. Sinon, on se fait, mais on se fait dévorer. Ah oui, on se fait dévorer. Et les moustiques aiment encore plus la peau des jeunes enfants. Alors, je crois que c'est une histoire la peau des jeunes enfants dégage plus de monoxyde de carbone ou je sais plus quoi. J'avais lu quelque chose là-dessus. Bon, plus les bébés, par exemple, se font dévorer. Agathe se fait dévorer. Margot se fait dévorer. Moi aussi, mon mari aussi. Bref, on se fait tous dévorer, attaquer. Voilà, c'est moustique attaque. Donc, oh, dès que j'ai vu ça, à Action, et je regrette, j'aurais dû en prendre plusieurs, mais voilà, j'ai pas pensé. J'espère qu'il y en aura la prochaine fois que j'irai. J'ai acheté donc, eh bien, ce spray protecteur à la citronnelle. Citronella body spray. Donc, la marque, c'est Lunéa. Les amis, combien il m'a coûté? Il fait 200 millilitres, 2,59 €. Franchement, c'est pas cher. Si vous allez acheter ça en pharmacie, j'en avais acheté en pharmacie et ça protège pas mieux ceux d'en pharmacie. Sans pharmacie, vous allez voir le prix. Oui, c'est très 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 cher. Donc là, ça vaut le coup, 2,59 €. Allez, adjugé, vendu, c'est parti. Et bien ensuite, dans la série toujours par rapport aux moustiques, eh bien j'ai acheté du SOS Insecte Gel, toujours de la marque Lunéa. Alors là, c'est l'après-piqûre, c'est-à-dire trop tard, vous vous êtes fait piquer. Alors vous voyez bien sur le dessin, ils mettent la petite méduse, ils nous mettent les guêpes, méduses, guêpes et moustiques. Voilà. Alors là où j'ai été un peu déçue, je ne vous le cache pas. Alors il fait 20 millilitres, si j'avais regardé ça avant, j'aurais compris tout de suite. Eh bien quand j'ai ouvert, regardez, la boîte est grande. Et puis, vous allez voir, le tube, il est tout petit. Ah oui, regardez. Regardez le tube. Il est tout petit. Regardez la boîte. Voilà. Et la taille du tube. Donc, vous l'avez compris, mes chers amis, tout petit tube dans une grande boîte. Hein. Je n'ai pas bien compris l'idée du packaging, si ce n'est nous faire croire qu'il y a un gros tube alors que c'est un petit. Donc, je le saurais. En tout cas, c'est sûrement parce que c'est, on présume, très efficace. Combien il m'a coûté? 2,59 € le spray. Non, n'importe quoi, moi. Le soin après piqûre insecte Lunéa qui fait 20 millilitres seulement, je dis ça. 1,45 €, mes amis. Voilà, ce petit spray. Oh non, mais j'y tiens, hein, spray. Non, ce soin, c'est un petit gel. Ce gel après piqûre, je le répète une dernière fois, 1,45 €, les amis, de la marque Lunéa. Voilà, chez Action en ce moment. Merci, notre copain Action,
de distribuer des produits comme ça, entre les solaires et puis les produits anti-moustiques, ça c'est super parce que ça coûte tellement moins cher chez Action. Merci mon copain Action. Voilà. Ensuite, bien, oh ça c'est beaucoup plus glamour, je me suis acheté un petit masque visage, voilà. Alors, la marque, c'est The Beauty Depth. Alors, il y avait des tas de modèles de masques différents. Moi, j'ai pris celui-ci. Voilà, qui de mémoire, eh bien, il est au kombucha plus ginger. Kombucha plus ginger. Attendez, j'essaye de bien vous le montrer à la caméra. Voilà. Qu'a-t-il, mon cher ami? Eh bien, déjà, c'est coréen. Vous savez que les masques coréens sont toujours très bons. Je l'avais scanné, il était bon. Je ne me souviens plus la note, les amis. Là, vous voyez, derrière, ils nous disent comment s'en servir, comment l'appliquer, etc. Voilà, combien il m'a coûté ce petit masque? Eh bien, 69 centimes. Franchement, j'ai envie de vous dire, ça valait pas le coup de s'en priver. Voilà. Ensuite, hop, hop, hop. Ah ben voilà. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai pas du tout l'habitude de vous présenter, mais j'en avais besoin. Ah non, faut que je le refasse. Dadadi, dadadou, dadada. Voilà. C'est un petit kit en bois qui contient tout simplement une fourchette, un couteau et puis une serviette. Et ce qui est vraiment très bien avec ça, donc c'est des petits kits individuels, et bien c'est tout simplement le prix 99 centimes pour 5 petits kits. Et c'est vraiment pratique si vous partez faire un petit pique-nique. Voilà, ça peut être bien ou même, je ne sais pas, vous allez... Bon, bref, c'est pratique. Je ne vais pas chercher tout en quoi, pourquoi c'est pratique. Hein, voilà, je pars loin là dans mes explications. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça pouvait vraiment servir, que c'était tellement pas cher, 99 centimes pour 5 kits, je le rappelle. En bois, je trouve que c'est bio, c'est bien, c'est écolo. Allez, validé. J'avais pas vu ça avant chez Action. Je ne sais pas du tout si c'est un nouvel arrivage. Est-ce que vous, dans vos Actions, vous en aviez déjà vu? Moi, j'en avais jamais vu. C'est la première fois. Donc, hop, je les ai achetés. Petite nouveauté en ce qui me concerne dans mon Action à moi. Voilà. Voilà, mes chers amis. Eh bien, nous arrivons déjà, bah oui, déjà à la fin de cette vidéo. Je tiens vraiment à vous remercier de tout mon cœur parce que cette chaîne, je l'ai lancée il y a quelques mois. Ça me passionne, voilà, ça me passionne. Et j'ai vraiment envie d'en faire mon métier. Je sais que ça peut paraître bizarre quand on parle de métier de youtubeuse. J'aime pas le métier d'influenceuse parce que moi, j'ai pas envie de vous influencer. J'ai envie de vous dire ce que moi, je trouve sympa, ce que je trouve pas sympa. Mais après, vous faites ce qui vous plaît, les amis. En tout cas, cette chaîne que j'ai ouverte il y a quelques mois, je vous dis merci de tout mon cœur parce que vraiment, c'est grâce à vous qu'elle progresse. Voilà, voilà, vous mettez des petits pouces j'aime, vous partagez mon contenu, vous mettez des messages adorables. Voilà, vraiment, je vous remercie. Donc, si c'est la première fois que vous me découvrez et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Pim, pam, poum. Franchement, c'est gratos, c'est rapide. Pour moi, ça va vraiment m'aider, ça va vraiment me soutenir. Dans tous les cas, merci aux anciens abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, vraiment, merci de faire grandir cette chaîne. N'hésitez pas, ça m'aide énormément pour me soutenir, à mettre un petit pouce j'aime, à partager mes vidéos, à mettre des commentaires, voilà, ce sera top pour moi. Et puis, et ben voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite d'être bien, d'être heureux dans votre vie. Et puis, je vous fais plein de bisous. Mmh. Bisous, bisous, bye bye. I know you feel this movement rock you just be vibing.